السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، سوف أقدم لكم نموذج الفرض المحروس الثالث، مادة الفيزياء الأولى إعدادي دوفوار سيرفيي نيميرو 3 دو سيونس فيزيك بريمير اني كوليج. دونك دونك هنايا بروميير اني كوليج، بروميير اني كوليج الأولى إعدادي. دونك هاد الفرض بالنسبة ل التلامد ديال البيوف بروميير اني كوليج. دونك كونتيان دي شابيتر لي ميلونج اي la dissolution donc il y a deux chapitres donc le premier exercice donc premièrement relier les mots à leur définition donc relier les mots à leur définition la fusion la dissolution la solution et le soluté. Donc, deuxième mot, complétez les phrases suivantes par les mots solution homogène, mélange, soluble, soluté, solvant. Troisième mot, complétez le tableau. Donc il y a donc on détermine le solvant et le soluté à chaque expérience. Donc voilà la première expérience, deuxième expérience, troisième expérience. Principal التمرين الثاني, deuxième exercice. Relier chaque solution au type de mélange qui lui correspond. Donc l'eau salée, l'eau minérale, CD, elle est, l'eau plus huile, l'eau plus pétrole. Donc on va déterminer est-ce que c'est un mélange hétérogène ou bien homogène. Deuxièmement, relier chaque méthode à ses caractéristiques. La décantation, la filtration, la distillation. Donc, yani, c'est quoi la décantation, et c'est quoi la filtration, et c'est quoi la distillation. Deuxièmement, compléter le tableau ci-dessous en utilisant les mots solubles insoluble, la substance dans l'eau, le sel, la gomme, l'alcool, le sable, le dioxygène, le pétrole. Le troisième exercice, donc on réalise l'expérience 50 qui contient un verre qui contient le lait et le sucre. Donc, il y a un agitateur. Premièrement, quel type de mélange obtient-on dans chacun des deux figures? Il y a la figure 1 et la figure 2. Il y a après l'agitation de la solution. Dans le mélange obtenu, quel est le solvant et quel est le soluté. Donc le solvant, l'eau soluté, l'expérience. Troisièmement, quelle est la valeur de la masse indiquée dans la figure 2? Donc la figure 1, on a la masse du solvant et du soluté est égale à 260 grammes. Et dans le cas de la dissolution, donc quelle est la masse
de la solution. Alors, نتمنى انكم استفدتوا من هاد الفرض هذا، وكذلك دونك يعني كاستعداد للفرض المحروس المنجز داخل الفصل. وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.